Évidemment, mesdames et messieurs. Ah non, mais j'ai pas mis le générique dans la VOD. Oh non, faut que je le remette. Je suis désolé. Ouais, donc, je disais, bienvenue à toutes et à tous, c'est le Zerator Simulator. Alors, Holy Fock a dit, putain mec, t'es un génie, je m'abonne, c'est parti, t'es 100% le petit moment quotidien de conneries ou de réflexion qu'on voudrait avoir. Paye-toi ton kebab, va, hein ? Quoi ? C'est ce qu'il a dit. Hein, quoi ? Mais je fais de l'acting, du coup, on dirait que c'est naturel, comme ça, et que ça vient. Alors là, il y a du café, Coffee Simulator, donc prenez ce que vous voulez, évidemment. Là, il y a Stream Simulator, donc Zerator Simulator, évidemment, le nom de l'émission. Il y a ma bouteille d'eau là-haut, les lunettes, là, elles sont là. Library Tycoon Pro qui n'existe pas, ce sont que des jeux qui n'existent pas. L'habillage qui avait été fait, oh mon dieu, les lunettes OMG, c'est dégueulasse. Non, pardon, mais il faut pas que je fasse de pub, c'est pas qu'elles sont dégueulasses, elles sont très bien, mais... attendez, on va plutôt mettre ça... sera thématisé avec le jeu en plus. Salut Zera, chaud pour faire le monteur pour aider pour les best-of. Par contre, j'utilise Final Cut Pro, ça passe. Bon stream tout le monde. Tu les embrasses quand même. Tu leur envoies un mail. Oui, parce que le best-of a besoin de monde. Si vous êtes motivé, bestofzerator@gmail.com, vous envoyez un petit mail et ce sera cool. Alors, on va commencer par le premier jeu de ce soir, un jeu qui coûte. Alors attention. Attendez, je me replace sur ma chaise. Il faut que je vous parle de ce jeu. Petite notion de la part de Réglisse, qui désormais va regarder les lives de son chéri Zerator, le monsieur qui crie fort depuis le paradis des cochons d'Inde. Oh. Merci pour tout le bonheur que tu lui as pu lui apporter. Oh! Oh! Shocky Whiz! Ah, c'est trop mignon ça! Oh! Oh! Attendez, qu'est-ce que. Intercalaire. Voilà. Donc, on va jouer à un jeu qui coûte 69 centimes. Mais! Oui, 69 centimes, je sais, les développeurs parfois font de l'humour, et là, c'est de l'humour pervers et sexuel dégueulasse, mais c'est pas grave. Mais là, il est à 41% promotion sur Steam, donc il coûte plus que 41 centimes. Vous l'avez tous reconnu puisque vous y jouez tous, et c'est un hit absolument, un must-have, Sorno est bien d'accord, il vient de s'abonner à la Zerator Télévision pour le découvrir. Il s'agit évidemment d'un jeu de chasse, encore une fois, je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve encore un jeu de chasse. Il s'agit évidemment de... What the fuck? Deux secondes. J'arrive. Yeah. Avec la participation de Rage Against the Machine. Pardon. Pardon, je me suis éclaté les oreilles aussi. Il s'agit évidemment de Dinosaur Hunt Africa Contact. Voilà. Un jeu qui coûte 69 centimes, mais qui est en promotion. Et pour 41 centimes, vous pourrez faire l'acquisition de ce jeu absolument exceptionnel dans lequel nous allons devoir chasser des dinosaures. Mais attention, ce n'est pas un jeu vide, comme on a pu le rencontrer. Je me suis dit que comme on avait fait un autre... Andrew Burger. Non, pas d'Andrew Burger aujourd'hui, tu co-fromage. Non. 41 centimes avec Andrew Burger à la guitare, Andrew Burger à la batterie. Andrew Burger sur l'artwork et sur les boutons du menu. Bon, jeu raciste, j'imagine. Allons voir un petit coup d'œil dans les options. Ah, pay to win, visiblement. Putain, mais la musique. Tellement tryhard. Use right button to zoom. Ah, c'est des petites astuces qui défilent comme ça en bas. Énorme, regardez ça. Il y a des astuces qui arrivent comme ça. Regardez, si je fais option et que je reviens, bam. Ah non, juste use right mouse button. Oh putain, right mouse button to zoom. Ok, il y a le français. Non. On va jouer en anglais, ce sera déjà pas mal. Alors c'est parti. Je ne connais pas le jeu, je n'y ai jamais joué. C'est parti. Plusieurs modes de jeu s'offrent à nous. La campagne, le mode de chasse, le mode d'arène ou le survival. Putain mais attendez, on va faire toute la soirée là-dessus. On va faire toute la soirée là-dessus. Alors Dinosaur Hunt African Contact, 0, 500, on a des menus là, je sais pas ce qu'il y a. C'est quoi ça? Use WASD keys to move, sans deck. La campagne, c'est ma spécialité. Attention! Mission briefing! Outbreak in our Africa lab is causing serious financial problems to Corp. We need you to check out this lab and put down any predator on loose. Bring body samples back so we can do medical tests to investigate what happened. Ouais, tuer tout le monde quoi! Alors! La sensibilité ça va pas du tout! En plus, je ne vois rien. La sensibilité ça va pas du tout!
C'est quoi la sensibilité? Comment? C'est ça à votre avis? Ah, c'est le volume ça. Non, ça c'est bon. Où est la sensibilité? Diriger sensibilité. Ça doit être la difficulté du combat, je sais pas. On peut acheter des trucs, c'est formidable. On peut acheter des armes avec de l'argent. Argent qu'on va gagner, je sais pas comment. Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière. Oh putain, c'est des options graphiques. Oh, je vais mettre l'occlusion. Oh putain, la souris inversée. Non. Ok. L'occlusion ambiante. Ok, c'est parti. Alors, je sais pas trop ce qu'on doit faire. Je sens que je vais me faire choper par un truc, j'aurai la peur de ma vie. Ok. Un jeu qui coûte 49 centimes, hein, je vous rappelle. Attention. La musique. On dirait Turok. On pourrait être dans Turok en fait. Ouned. First kill. J'ai eu un haut fait. Ça m'étonne de ne pas avoir eu un haut fait avec mon premier pas. Un lapin. Ouned. Est-ce qu'on peut les loot? Pas de loot. Ah. C'est rien. Tout va bien. Putain, je suis bloqué, jeu de merde. Putain, je suis mort. Attendez. Outbreak in our Africa lab is causing serious financial problems to Corp. We need you to check out this lab and put down any personal news. Bring body samples back so we can do medical tests to investigate what happened. Non, faut que j'aille au laboratoire. Ok. En fait, j'ai rien compris. Peu importe. Excusez-moi. Ouais, sniper mitraillette, j'ai vu. Oh, là-bas. En fait, on va longer la plage. Est-ce qu'on a de l'endurance? Non. Il y a une minimap là-bas. Alors, attendez. Par contre, je veux que vous puissiez profiter du jeu à 200%. Donc, je vais vous arrêter de vous cacher l'interface avec mes trucs inutiles, là. Je vous amène ça là-haut. Énorme. Y'en a un là. Et là avec le bruit. Ok, faut que j'aille là. J'avais pas vu. Faut que j'aille là. Putain, mais la musique. Tu as tué Wilson, je le savais. Et ça, Enos, pas du tout. Pas du tout, c'est faux, menteur. Ne dites pas, Fukado. Bon alors, regardez. J'ai l'impression qu'on n'a pas de stamina, du coup on va pouvoir courir à l'infini dans ce jeu. Au final c'est presque aussi réaliste que The Hunter Primal. C'est vrai. Non mais en vrai pour le prix, pour l'instant le jeu est exceptionnel. Pour le prix, pensez-y. Ah, j'étais là tout à l'heure. Ok. Une personne sans testicule, c'est quoi ça déjà? Ah oui, une femme. Oui, bah oui. Soyez pas bêtes. Ok, y'a quoi là? Un drop? Y'a quoi? Il se passe quoi? Je peux plus avancer. Ah! Unscope! Quoi? Oh, j'ai gagné! Great job on your first mission, agent. We'll check the samples. In the meantime, our agent in Far East is missing. Presumably dead. We're sending you to eliminate the predators and shut down the lab. No, you can't ask any question. Good luck. Ok, on doit aller éteindre le laboratoire pour éliminer les prédateurs, ça évidemment. C'est parti! Alors, c'est la fumée rouge là-bas? Non, ça c'est un arbre. C'est pas où? Déjà, j'ai l'impression qu'on pop aléatoirement suivant les missions. C'est très bizarre déjà pour une campagne. Oh putain, oh putain. Regardez les dinosaures, chasse-les! Ah! Recharge. Putain. Putain de. Cours! Redonne-toi! Shoot! Mais ils sont combien? Bah oui, forcément, le bruit les réveille. Oh putain, les attire. J'ai plus de balles, c'est la fin. Adieu. Ah, c'est bon, j'ai un flingue. Retour du concours médecine et Azera, merci d'être là au meilleur des moments. Regarde, Yolda, on t'a concocté un super jeu. Putain, il m'a mort, c'est une blague. Et la blague où d'être? Je suis coincé encore comme tout à l'heure. Wouah, what the fuck. What the fuck. On continue. On va aller par là, ok? Est-ce qu'on peut aller par là? Je pense qu'on est pas censé devoir aller par là, mais c'est pas grave. Prenons de la hauteur pour analyser la topologie du terrain. Comme le ferait n'importe quel bon chasseur. Passons sur les côtés. Je sens que je suis
Je suis ouvert au bug en passant par ici, mais c'est pas grave. On va tester évidemment tous les modes de jeu de ce jeu sensationnel. Est-ce que j'ai gagné de l'argent? J'ai gagné de l'argent, je peux acheter des armes. On fera ça tout à l'heure. Je suis coincé, c'est ça? Je suis coincé parfaitement, excellent. Là, il faudrait que je meure. Ah, voilà, les dinosaures sont en train de me courir sur la gueule. Est-ce qu'il va pouvoir monter? Oui, il s'en bat les couilles. Ah oui, si tu tires pas dans la tête, c'est... Ah oui, d'accord. Ok, ok, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut fuir? Testons... Non, j'allais dire testons la fuite, mais... Testons la fuite. Regardez ma santé qui baisse en bas. Regardez ma santé qui baisse. Je suis à 23 HP. Je dois être poursuivi par des centaines de dinosaures en route. Pas du tout. Ah si, ils sont là. Regardez. Fuyez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? De la santé. Comment on la ramasse? Ah. Oh, je sais pas. Je suis mort. Durée de développement 3 heures. Alors toi, si tu regardais les autres Zerator Simulator, tu verrais que ce jeu a sûrement été développé en 4 ans. Comparé aux autres simulateurs. Ok, là il y a de la santé, il faut que je... Ah, attendez. C'est quoi la touche pour interagir? C'est pas E, c'est pas A, c'est pas F, T... Oh! C'est quoi ça? Ah, c'est le radar des dinosaures. What the hell is that? Comment on interagit? Attendez, il me faut les touches là. Ouais, je sais, mais j'essaie juste de... Casse-toi, casse-toi. J'essaie juste de savoir comment on interagit avec les... Ah, c'est eux, c'est bien eux. Mais ça ne marchait pas. Oh, fuyez. Oh, hop, ptérodactyle. C'est pas possible. Les dinosaures et du métal, son père, c'est le jeu de l'année. Une personne sans testicule peut être aussi un homme qui m'a croisé. Ah, c'est vrai, Masculator. Ou un castrat, c'est-à-dire un chanteur d'opéra. En tout cas, un jeu avec une difficulté très hardcore gaming, j'adore. J'adore les jeux immersifs, tout hardcore gaming et tout. Ok, putain, il y a plein de munitions là. Ok, on se casse. Un milliard de balles. 70. Ah ouais, j'ai tellement de balles. Regardez mon compteur de munitions en bas. 10 sur 100. Est-ce que le chargeur a une capacité infinie? Très probablement. C'est un super jeu. Le nouveau Call of Duty fait par Andrew Berger. Calmez-vous avec ce pauvre Andrew. La texture de l'eau est magnifique, regardez ça. Je croirais dans EverQuest 1. Ou dans Dark Age of Camelot, l'extension Shrouded Isle. Go, go, go. On va quand même mettre le radar, vous voyez. Parce que nous, on est en mode PGM. Je vous cache pas que je joue en mode hardcore. Les bambous ne sont pas des objets physiques, ça va. C'est juste des textures posées aléatoirement. Je sens que c'est par là, je sens que c'est par là. M to hide minimap. Ok. Putain, N pour la next song. Avec N, on change de chanson. Ils y ont pensé, c'est genre, ah non, celle-là, je l'ai pas trop. Ah, ils ont un petit oubli de texture ici. Peut-être qu'il faut que j'élimine tous les prédateurs, en fait. On va se mettre en hauteur et puis on va y aller, hein. Ah, c'est par là, c'est par là. Il y a un chemin. Ok, ok, ok. Ensuite. Mais c'est magnifique, ce jeu. Far Cry n'a qu'à bien se tenir, franchement. Il est pas magnifique, ce jeu. Magnifique. Attendez, attendez. Je suis en train de suivre le chemin. Une seconde. Des fois, j'ai l'impression d'être poursuivi parce que j'ai l'impression que les pas ont un délai au niveau du son. Et du coup, je m'entends pas vraiment. Ils arrivent! Je les attends! Bon, je m'accroupis. Raté. Raté. Non, c'est bon. J'arrive, la donation, j'arrive! Je suis un homme sans testicule, un eunuque. Vous êtes eunuque? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez... Perse, mais quel rapport? Ah oui. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Merci à toi, Daviels. Je n'avais pas vu ton nom, excuse-moi. Ah, j'ai trouvé le perfect spot. Vite! Grenade! Oh, nice! Il en reste plus que deux. Il en reste deux! Je vais tirer à côté de lui, comme ça il va se déplacer.
Voilà, lui aussi. Ah, il est là le laboratoire, non? C'est pas le laboratoire ça? Ce glitch, ouais, quoi, le jeu offre sa possibilité. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Comme ça, si je rate, je dois tout recommencer. Heureusement, grâce à ma technique de climb acquise dans Shootmania, eh bien, j'ai le talent suffisant pour faire ce truc. Alors, on va aller vers là-bas. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de laboratoire qui ressemblera à... Parce qu'il fallait shut down. Il fallait shut down le lab. Il faudra acheter de meilleures armes. Une seconde, j'arrive. Là, on a 1440$. Putain, il y a des drops de ouf de munitions. Oh, regardez ça. En fait, ça drop à l'infini sur la map. En fait, on ne peut pas mourir. La preuve. La preuve, tout à l'heure, je pouvais pas mourir. Attendez, alors. Il vient là ou pas? Oh, il arrive, il arrive. Il est vénère. Il est vénère, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Il arrive. Ce cheat, quoi. Oh, il est là. Oh, il arrive pas à monter. Il arrive pas à monter. Il est là. Hop, ptérodactyle. Beurre. Déjà, je vais essayer d'anéantir le dernier dinosaure pour voir si c'est pas un objectif caché ou un objectif bonus. Il arrive. Faut faire des poules. Poules. C'est bon, vas-y, viens. Viens là. Allez, viens là. 130 mètres, c'est plus. 140 mètres, c'est 100 mètres, c'est moins. 97, c'est moins. 98, c'est plus. 80, c'est moins. 70, c'est moins. 65, c'est moins. 60. Oula. Je l'ai pas eu. Quoi? Non, tu vas pas me tuer. Si tu me tues, c'est... Ok, du calme. Ok, donc maintenant qu'on a animé des dinosaures, il y a un nouvel objectif qui est d'aller là-bas. Donc j'ai eu raison. J'ai donc plus de valeur que ça. Le timbre 20 grammes. 41 centimes en promo sur Steam en ce moment. N'hésitez plus, foncez. Loading. Nice. What is it with your agents? Excusez-moi, with you agents. Always the same questions. Why am I always alone? What is the purpose of this? Blah, blah, blah. I don't want to worry you, but if you are asking, well, you're not typical human. You're a kind of product, genetically modified human. Well, actually, some parts of you aren't human. But let's not go into details. There is a job to be done. Our Middle East lab is having some problems. Deal with it. Ok, on n'est pas un humain, on est une sorte de produit génétiquement modifié, typical... Typical jeu en fait. Typical jeu où on est un peu mieux qu'un humain. Alors, deal with it, machin. Alors, plusieurs environnements, vous avez vu? De la fumée liée à des puits de pétrole incendiés évidemment par les dinosaures, hein. On le sait. On le sait, on connaît ce problème. Mais alors là, si t'as pas la touche T, comment tu fais? Tu te dis, bah je vais aller par là, tiens. Puis en fait, c'est par là. Heureusement, j'ai découvert la touche T grâce à l'interface. Ouais. C'est des putains de vélociraptors, pas des ptérodactyles, eux ils volent pas. Je sais pas, il y avait des ptérodactyles qui volaient pas. Alors c'est quoi comme type de rhino? Ok. Alors, on va se mettre ici. J'ai oublié d'acheter une arme. On le fera à la truc d'après. C'est quoi le dinosaure le plus proche? C'est lui. Non, c'est lui. Oh. Donc là, ils sont tous en train d'arriver à gauche. Je sens. Ah non, c'est bon. Premier don, merci pour ta bonne humeur hebdomadaire. C'est Zesver qui nous parle de ça. Merci à toi Zesver, bienvenue. Moins un. J'ai pas de munitions. Où sont les drops? Là, je sens qu'il y a un drop là. Là il y a un drop. D'abord repérer où est-ce qu'on me drop des trucs. Faudrait pas une émote c'est moins aussi? Je sais que je suis chiant mais sérieux, l'émote c'est moins, non? Mais non Mister Général, l'émote c'est moins n'est pas mandatory, ça va, tout va bien. Ah, heureusement hein. Heureusement, dans les déserts, il y a toujours des munitions, c'est très sympa de leur part. En plus, il y a les munitions de toutes les armes. Au cas où on serait un petit peu armé, quoi. Ok, on repart. Attention, suis ton cœur. Un dinosaure gentil. Ah, mais ça, je suis désolé, c'est pas moi qui donne les ordres. On l'a eu. HP 1075, j'avais même pas vu que j'avais leur HP. Plus que 1000. 850, c'est moins. 700.
400, c'est moi. Oh, what the hell? Ok, ok, ok. 25 kills, le haut fait. Le haut fait 25 kills. Ah merde. Mais merde. Ok, ok, formidable. Ah, c'est la chasse, hein. Encore un jour, on doit tuer des dinos. Eh non, mais la dernière fois, on n'a pas réussi, on n'a pas trop croisé les dinos, du coup, on réessaye. Enfin, on en a croisé un ou deux, mais c'était... J'ai essayé de tirer sur plusieurs dinosaures, c'était énorme. Se donner un peu de défi. Voilà. Et maintenant, ça va être mieux. Ah, je l'ai pas touché celui de là-bas. Tant pis. Headshot. Ah oui, l'headshot, ça fait 600 de damage quand même, hein. Vous avez vu ça? Oh là là, 600 de dégâts en headshot. Punaise. On va aller d'abord à la maison pour voir. Enfin, à la maison, à l'objectif de type maison. Il y a des chars et tout, vous avez vu ça? Peut-être des véhicules dans un prochain patch? Peut-être, peut-être. On nous tease déjà avec ce jeu, hein, c'est la folie totale. Là, on a hop, encore un drop avec des munitions, bien sûr. Hop, là, on va nous dire peut-être nettoyer les dinosaures, non? Ah non, c'est bon. Mais je suis en train de penser là. Mais l'extraction des dinosaures, Zerator, c'est toi! Les pauvres, ils ont pas eu de chance. Mais non! Pas du tout. In the name of the Holy Lord, can't you just stop asking... Oh, il y a une faute de frappe! Asking questions can get you killed. You know that, right? Okay, okay. In the samples, we found something strange. It seems that Predators has ships injected with... which caused them to react to remote commands. Ah bon, quelqu'un contrôle les dinosaures avec des trucs téléguidés, là, comme les téléphones. Ils sont en Bluetooth, en fait. Awesome, right? Oh, well... Now we need to figure out how the hell did that happen. We traced the shink signal from the ships back to Norway. You're still here? Ok! C'est toujours la même chose! On est donc... Oh putain! Alors là c'est... pas pareil. Regardez cette magnifique maison. On est donc en Norvège. Il y a un dinosaure à 40 mètres. Oh, ça va pas être la même là. Ça va pas être la même. Faut que je trouve les munitions. Je trouve le drop de munitions. Parce que là j'ai que 20 balles. On voit rien, c'est normal, hein. On ne voit rien du tout. Ah là! Yes, j'ai trouvé. Ok, alors lui par contre. Non, on va d'abord ramasser les munitions. Ça va pas du tout être chiant cette mission, dis donc. Y'a pas les grosses caisses de ammo? Bon, c'est pas grave, j'en ai 40, c'est déjà pas mal. Déjà 40. Touché. Par contre, j'ai pas les HP, donc je sais pas si je le... Ah non. Ah. Oh merde. J'ai raté. Cours. J'ai raté, j'ai combien d'HP? 167, c'est plus. J'ai raté. Oh, c'est la fin de la map. Cours. J'ai 0 balles, faut que je recharge, mais je peux pas recharger et courir en même temps. Un dilemme s'offre à moi, il faut que j'arrive à monter sur la colline peut-être. Non! C'est la fin de la map encore! Merde! La mission est vachement dure. Peut-être que la campagne va s'arrêter là et on va tester les autres modes plus tard. Il faut vraiment qu'on prenne beaucoup de... Alors on va tester l'achat d'armes. Alors essayons d'acheter peut-être... On a 2200, c'est plus. Essayons d'acheter l'arbalète. Merde, il y avait d'autres armes derrière. Ah merde. Ça. M4 unlocked. Cool. Ah, ça dépense pas mon argent. Insufficient found. Ah si, c'est juste que... Ah, fallait faire échappe et revenir, d'accord, super. Ah, super, merci à toi. Comment on fait pour l'utiliser? Ah, peut-être en changeant la molette, tout simplement. Peut-être que j'ai le M4 plus... Ah ouais, j'en étais sûr. Genre, j'ai toutes les armes, en fait. Donc le 1 c'est le couteau, 2 pistolet, 3 ça n'existe pas, 4 ça n'existe pas, 5 non plus, 6, ah M4, 6, 7 le fusil sniper, et donc 9 ou 0 j'imagine, l'arbalète, même pas. Ah l'arbalète ça doit être ça alors, attendez.
Je sais pas comment on va sur l'arbalète. Il faut que je trouve des munitions, hein. Ça c'est. C'est obligatoire. Oh l'arbalète, ça me paraît pas mal du tout. Il y a des jeux dans lesquels l'arbalète est complètement imba et d'autres où ça pue la merde. Donc faut voir. Par contre, avec le M4, j'ai toujours un viseur, ce qui va m'aider à interagir avec les munitions. Évidemment. Ok! Alors! Salut! Ok, c'est trop puissant! Alors, par contre, attention, ça va arriver de tous les côtés, je vais me mettre là-bas. On voit que dalle! Deux secondes! Pterodactyle. Ils arrivent les autres ici! 17 minutes. Oh putain, mais on est là! Regardez! Hop, loading, j'ai fini. Et voilà, formidable! I know! It is cold in Norway, so what? Oh, you mean you would like better gear? What the fuck? Do I like Santa? Going back to important things, you mean you found briefcase with Armageddon plans and they were Biogen stamped? Biogen stamped? Okay. Let me take a look and in the meantime, there is a task for you. What? You kidding me? A selfie? Get the fuck out! Et on est reparti dans ce jeu absolument incroyable. J'ai l'impression qu'on commence à trouver le jeu un peu monotone. Non? Est-ce que les munitions iraient pour toutes les armes par hasard? J'ai l'impression que c'est les mêmes munitions pour toutes les armes. C'est le cas, hein? Ouais, c'est le cas. Évidemment! Qu'espérer de plus? Do I look Santa? Pas do I like Santa? Ah ouais, merde, do I look Santa? Bref, vous avez compris. Est-ce que j'ai l'air du Père Noël, quoi? Pas est-ce que j'aime le Père Noël? Zera, si tu as la possibilité de baisser légèrement les couleurs et d'augmenter les contrastes du jeu, je pense que nos yeux te crieront leur amour. Mais non, mais t'inquiète, mes yeux saignent. J'aime bien que vous puissiez voir le jeu tel que les développeurs ont voulu le créer, tu vois. Donc voilà. À mon avis, c'est mieux comme ça. Mes yeux saignent. Oh! Oh! Tellement d'HP ce truc! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Go des mythes! 200 HP! Non, je pris un coup pour rien! Quelle merde! Ok! Gros dinosaure là! Quoi? 2000 HP! 1250! 500! 0! Formidable! On continue! Ah non, en fait, ça monte les munitions de l'arme avec lesquelles on ramasse, j'ai l'impression. Quelqu'un dans le chat a le dit. Que l'on soit clair, ce jeu est merdique, mais vu le prix, c'est pas grave. Alors que le jeu de tout à l'heure qui coûte 25€, vous allez voir à quel point il est divin. Petit problème de texture là, apparemment. Pterodactyle. Oh, il s'envole. Non, je déconne, il vole pas. Ouais, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Ouais, c'est ça. Toi, je t'avais pas vu par contre. Attends, deux secondes. Trop puissant la M4. La M4. Oh, mon dieu. Suivez cette colonne de lave. Très bizarre ce qui s'est passé ici avec la texture. Alors, attendez, on va faire. On va faire la fin de cette mission, ok? Ensuite on va faire la pause, ensuite on ira voir les autres modes de jeu parce que... Enfin si j'arrive à finir cette mission... Oh putain, des munitions. Et de la santé bien sûr. Par là. C'est quoi ça? Personne n'arrive là? J'ai l'impression qu'il y en a qui pop derrière moi. Putain de... Faut prendre de la hauteur, ce serait pas mal. Ah, ils arrivent pas, ok. Je voulais tirer pour les attirer. En fait, j'ai l'impression que le petit objectif de type maison, je ne le vois que quand j'approche de l'objectif. Donc en attendant, il faut chasser le dino, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est parce qu'il y en a trop sur la map. Du coup, ça apparaîtra à la fin. Un pourcentage du budget a été utilisé pour la musique, j'imagine. Ouais, j'ai compris que je pouvais acheter des munitions, mais ça, c'est très peu pour moi. Il y en a partout sur la map.
Voilà. Il y a encore qui vient. J'hallucine. Il y a aucun qui vient. Le M4 va pas assez loin peut-être. Ok. J'ai l'impression que toutes les balles font le même dégât en fait. On voit tellement rien, c'est surréaliste. Ah moi je vois que dalle hein, je vous le dis hein. Pensez pas que c'est le stream qui fait ça hein. Il faut que je me calme, sérieux. Je suis tellement dans mon monde. Ouais, 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 du calme. Je suis tellement dans mon monde que quand il y a un truc qui me saute dessus, à un mètre, même dans un jeu de merde, ça me fait flipper. C'est pas grave. On continue. Oh, bordel. Oh non. Oh, j'ai pris des dégâts gratuits. La gratuité des dégâts que je viens de prendre. C'est immonde. Bon, là, là par contre, putain, ça m'emmerde. Ils sont trop loin, les mobs. Le sniper, c'était 6 je crois. 6 comme sniper, non, c'était 5 alors. 7. 7. Ok, lui il a été touché. Lui aussi. Ok, ok, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Lui il arrive plus vite. L'autre va arriver, l'autre va arriver. Change d'arme. 6. Oh, 50 kills. 50 kills. Ouais, 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 ouais. Le haut fait infini. On y va, redescendre. La dernière mission interminable, tu sais. Tu voulais finir par cette mission. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas. Allez. Ah, là-bas, la maison. Nice. Yes! J'arrive à finir cette mission. Je gère tellement. Un petit 36 noscope. 360 noscope à travers la map. Et ouais, on a plus que 96 HP, mais j'ai gagné. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse donc. Tintin. Waouh! Oh putain, tellement de dinosaures, tellement chiant. Je vous laisse découvrir ce jeu donc. Je vous laisse découvrir la suite de la campagne. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent le faire. Donc je vais pas vous spoiler, voilà. Je peux comprendre que des gens aient envie de le faire. On va essayer de s'en faire un couteau, tiens. Le mec en face à face, t'es... il voit un dinosaure qui arrive. Tiens. Perfect headshot, 10 pièces. On voit passer HP, c'est super. Ça pourrait durer une année comme ça. Si on les voit en bas. À 800, 500. C'est plus. Oh mon dieu. Ça c'est du hitbox quoi. Je crois à Counter Strike. 50 HP. Et le voilà qui s'écroule. Eh bien mesdames et messieurs, c'est... Alors par contre je sais pas comment on sort de là. Il y a tellement d'armes. Ah, des grenades. Oh, ça coûte trop cher. Il y a des grenades. Ah ok. Ah ok. Ah ok, tu fais échappe, t'es pénalisé quoi. Armurerie. Ça je sais pas ce que c'est cette monnaie là. Malheureusement pas de menu pour passer en pay to win et acheter des trucs comme ça. Je crois que j'ai augmenté la résolution, je sais pas ce que j'ai foutu. Je comprends rien. En gros j'appuie, ça me fait apparaître des menus, je réappuie là, ça revient au menu du jeu, enfin c'est terrible. Mesdames et messieurs, ou n'êtes pas couteau à beurre. Mesdames et messieurs, on revient dans 5 petites minutes. Ne bougez pas, à tout de suite.